Allez, monte. Ouais, j'arrive. Salut, V. Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Oh là 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 là. Tu regarderas pendant que j'existe en temps réel. Ça va être quoi comme... J'attends plus que toi. Je veux que tu me décrives ce que tu vois, au cas où un truc m'échapperait. Ok. Ah, attendez, couche visuelle. Le mode d'édition est prêt. Tu peux fouiller autant que tu veux. Ah, c'est moche. Des os, c'est sûr. Personne n'oserait se saper comme ça. Merde, mauvais bouton, attendez. C'est ça. Des osseurs qui a chopé un Netrunner en fait. Un ou une. Et t'as encore en vie pour l'instant. C'est quoi, Gami? Et t'es le médecin multiple erreur, sans déconner quoi. Attends, y'a un son déjà là-bas. J'ai déjà entendu ce genre de bruit. Ça doit être des désosseurs. Tu vois rien? Y a pas un petit détail qui puisse nous aiguiller? Essaie de changer de couche. On l'a commandé récemment. Une part de pizza? C'est ça ton indice? Putain. Y'a un truc là-bas. La radio est à fond. C'est sûrement pour couvrir les cris. Bonne ambiance, décidément. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Et une petite droite dans la gueule. C'est toujours sympa. Ok. On a un indice visuel là-bas. Il y a un logo électrique Corp sur la combinaison. Ok. C'était ça l'indice, je pense. On en a un autre là. Une boîte ordinaire. Avec le logo de Decker, Tanaka et Rogers. Rien d'anormal au milieu des déchets. Est-ce qu'on a une autre source? Ça je l'ai scanné. Ok. Ah, attendez. Non, reviens en arrière. Une des os. Je pensais pas qu'il tournait des DSX en plus de couper les gens en morceaux. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire en fait? Qu'est-ce qu'elle voit d'autre? Rien de tel que la bonne odeur du café synthétique bas de gamme. Chez Buck Slice. C'est le nouveau Starbucks, je suppose. Le café était froid. Il devait dater de la veille. La pizza, par contre, elle avait l'air fraîche. Et donc? Ça veut dire que quelqu'un se fournit régulièrement chez Buck Slice. Et il y a peu de chances que ce soit pour la fraîcheur ou la qualité des ingrédients. Leur pizza ressemble à du polystyrène. Personne va traverser la ville pour bouffer ça. Bon, on cherche une centrale électrique Corp située près d'un Buck Slice. Bon, direction la vieille centrale électrique Corp de Charter Hill. Va falloir se contenter de ça pour l'instant, on dira rien d'autre de cet enregistrement. C'était bonne ambiance, la personne se fait éclater, on voit les bras et tout éclater, c'est toujours sympa. Toujours pas cool. De temps à perdre. C'est toujours cool. D'accord, je t'emmène. Dans ce cas... Ok, on y va. Alors en route. Ok. J'ai la répute. Attendez, j'ai un niveau en plus. Réflexe, j'ai quand même pas mal monté là. On est pas mal en vrai côté, les gars. On va monter un petit peu aussi. Je pense intelligence en vrai. Ou sang-froid, j'hésite. Attendez, c'est quoi? Bonsoir, Little John, comment vas-tu? J'hésite. Non. Peut-être plutôt intelligence, je pense, hein, pour avoir plus de piratage. Ouais, ça s'appelle pas mal ça. Tiens, déjà on va avoir plus d'euros-dollars avec ça. Et je pense monter un peu l'intelligence en vrai. Réflexe intelligence, ça me paraît être
Un teint bon combo. On va sauvegarder un coup. Ah, je passe, ouais. Mais plus sérieusement, vite, quittez le navire. Ah, ce jeu! Ouf. Sortir de la tête. L'extrait de vertu qu'on a vu avec le sphinx à tête de mort. J'enregistre que du snuff, alors. Arrête. Ce serait les derniers des pommards s'il utilisait bêtement pour du snuff. Tout semblait indiquer une ascension vraiment fulgurante. Après sa privatisation en 2076. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. Et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement. On trouve pas ça à tous les coins de rue. Renforcé avec des prisons privées. Et un an plus tard, le trou béant dans ses finances n'a pas bougé d'ailleurs. Et pendant le trajet, je vais remettre une petite bûche. Le maire a fait une nouvelle proposition visant à remédier aux problèmes policiers. La solution étant de faire appel aux grandes entreprises de sécurité privée. Eh bien, je vous le dis, mes chers amis, ce n'est pas trop tôt. Le NCPD a fait son temps. C'est une relique, un fossile. Il est si vieux qu'il n'arrive pas à voir que ce sont les bénéfices qui font la loi. Si vous ne voulez prendre aucun risque, et je dis bien aucun, investissez dans le projet de protection Ofuda d'Arasaka. Aujourd'hui seulement, profitez d'une offre exceptionnelle et bénéficiez d'un an de sécurité pour à peine 100 000 euros dollars. Qui dépense bien s'endort seul. Il va faire bonbon. C'est tout pour cette édition. Quand même mieux la cheminée. Dans mes affaires. À très bientôt. C'est quand même mieux. C'est un peu ça, ma big bisou. Après, c'est, je te dis, c'est pour ça que pour moi, c'est plus qu'un RPG, quoi. C'est vraiment une aventure d'immersion quand même assez folle. Harry Jarre, t'es toujours là ou pas? Ça y est, on y est. On entre. Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau. Parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que les activités secondaires dépop ou c'est en mode infini? J'espère que ça dépop. On reste en connexion. Ok. Ce sera pas beau à voir là-dedans. Et alors? Si tu veux me dire de rester à rien faire, te fatigue pas. Ok, j'entre. Attendez, je vais sauvegarder la partie, je vais quitter juste pour voir. Est-ce que c'est un bug visuel? Ou c'est normal que ça reste en mode tout buggé, vous voyez? Pour moi, dans l'histoire, ça, je trouve pas ça choquant, en fait. On vient d'avoir une crise. Je vais lancer le jeu au cas où pour voir si ça reste comme ça ou pas. À savoir, c'était un... les synchros, ça marche ou pas? J'espère que ça a marché. Bon, ça vous plaît toujours à suivre, hein. Vous êtes bien calme dans le chat. On dirait Valhalla. Peut-être que les gens ne veulent pas se spoil, je ne sais pas. Encore une fois, comme je vous le disais, il y a tellement de choix et tout... que je peux faire, donc bon, c'est compliqué. Tyranny, putain, j'avoue, Tyranny et Pyre of Eternity, c'est deux très bons jeux, mais vraiment en mode full pose actif, quoi. C'est du pur, pur, pur pose actif, ces deux jeux, pour le coup. J'aurais peut-être pas dû quitter. Explorer Night City, hein, tu m'étonnes. Une belle histoire, j'écoute. Hein, attends, tac, on va attendre que ça se... On va quitter GOG, attends. On va forcer à quitter GOG. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, attendez. Juste pour la curiosité, on va voir combien il y a de joueurs actuellement dessus sur via Steam. Juste via Steam. Pas tant que ça, en vrai. What? Attends. Bah, mais non. Il n'y a pas grand monde, visiblement. Cyber. Oh. Ah, voilà, non. Anti-Cyberpunk, non. Ah, on n'a pas les stats, d'accord. On n'a pas les stats pour l'instant. Ok, ok, ok. On n'a pas les stats via Steam. J'ai un peu peur pour mes sauvegardes, là, je vous avoue. On n'a carrément pas les stats, c'est ça, via Steam. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de monde. Il doit y avoir vraiment, vraiment beaucoup de monde. Compliqué. Oh, Cyberpunk. Il y a un peu un copain, quelques personnes aussi. Ça, c'est quoi, ça? Paramètres, hein, qu'est-ce qui se passe ici? Attendez. Le plugin a planté, tu m'étonnes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont planté. Hein. Alors, ouais. Attends, on va fermer, on va essayer de fermer et relancer. Hop, la boum. Alors...
Alors, ça donne quoi? Est-ce que ça me baisse mes sauvegardes ou pas? J'ai un peu peur, je vous avoue, là. Alors, ça a l'air bon. Par contre, ouais, j'ai l'impression que leur cloud est en PLS complet. Hein. Je pense qu'on peut compter que sur le sauvegarde en local, hein. Comptez pas sur le cloud. Hein. J'ai vraiment l'impression que leur cloud est juste complètement surchargé avec, avec Cyberpunk. Hein. Je me demande combien ils en ont vendu. Hein. Au vu de Steam, moi, je dis, pour moi, ils en ont vendu au moins 5 millions, là, sûr. Parce que Steam, on est déjà à je sais pas combien dizaines de mille critiques. Généralement, tu fais facilement fois 40. Parce qu'en gros, quand un jeu a environ 50 000 notes, j'ai remarqué qu'il avait au moins 2 millions de ventes. Et rien que sur Steam, hein, sans compter tout le reste, hein, rien que sur Steam, il y a déjà... Oh mon dieu. 114 000. Oh mon dieu, ils en ont vendu des millions. Ils en ont vendu des millions et des millions là. Je pense qu'ils ont vendu rien que Putain, ils en ont vendu des millions et des millions et des millions. Mon dieu. Ils ont vraiment dû en vendre beaucoup là. Et est-ce que tu as pensé au code créateur Eskien 973? Mon invité ce soir est le lieutenant Sarah Krakowski, porte-parole du NCPD. Bonjour ma belle, bienvenue dans l'émission. Il y avait 8 millions de pré-orders déjà. Oh la vache, c'est énorme. Ok, c'est bon. Ah, par contre, mon framerate s'est cassé la gueule. Ah. Mais genre, il s'est cassé la gueule complet, le framerate. Ah, ça remonte. Ça remonte, c'est pas la folie. Ah, c'est bon. Ça s'est chauffé. C'est bon. On est de retour. Je pense que c'est pour le coup, c'est parce qu'il y a pas encore le DLSS n'est pas encore actif. Sans oublier tous les gens qui attendent le retour des joueurs, c'est ça. Ah non mais c'est... Et sans oublier les ventes sur console et tout, enfin c'est... Ça va être un carton monstrueux le truc. Un carton colossal. Ok. C'est bon. C'est rigolo, le DLSS a mis un peu de temps à se lancer. Alors, et j'ai... Donc c'était un bug graphique que j'avais. J'ai bien fait de relancer en fait, j'avais toujours le bug graphique de la mission. Donc j'ai bien fait de relancer, vous voyez. Je pensais que c'était un truc lié à l'histion, mais voilà. Ils ont perdu énormément en bourse. Non mais alors la bourse, ça n'existe pas. C'est pareil, c'est l'argent fictif. Sans contre... C'est... Non. À partir du moment où ils ont vendu peut-être 15 millions, crois-moi qu'ils n'ont rien perdu du tout. On s'en bat les couilles de la bourse. Il y a une fin au jeu. Bien sûr, Big Bisou, c'est un RPG. T'as une fin à l'histoire principale. Ça, c'est sûr. Après, sur les activités secondaires et tout, c'est encore autre chose. Attends, il y a une carte. Ouais, juste à côté, on pouvait la faire. Elle est où la carte? On bat les couilles de la bourse. Bonjour Charlie Pala. Ah merde, j'ai pas assez en technique. Enfin, je trouve une autre entrée. Voiture en panne. Alors. Oui et non. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on pense des on dit et des j'ai cru entendre et des il paraît, le docteur? C'est pour les connards d'y croire. Est-ce que t'es un connard, le docteur? C'est avec Nvidia chez Force Experience, Charlie Pala. Les actionnaires peuvent être enculés. Eux, ils sont pétés de thunes. Protocole de piratage, ok, elles sont pas très fortes. Mais ça change rien, la bourse ça ne change rien, ça n'a pas. Merde. Bah bouge-les toi-même si c'est si pressé. Je crois que personne a dû t'expliquer qui commence. Ça fait 5 ans. Tu fais Alt Z, généralement, c'est le truc par défaut d'un viage Force Experience. Ouais, bah ça fait 4 jours que je suis là à faire que Attends, j'ai quoi là, actuellement en arme là? Fusil d'assaut, katana et le gun, ok. On va les décaisser, c'est bon. M'emmerde la caméra là. Casse-toi la caméra. Bisous, j'adore. Ok. Bonsoir les coups. Ok, elle se barre, je sais pas trop pourquoi, tant mieux. Genre non, mais c'est un truc genre le jeu est court. C'est... Alors, est-ce que t'as déjà joué à Skyrim le docteur? Ok. C'est ça, en rush. Quand tu vois ce qu'Herman a fait, c'est en rush. Effectivement, il a mis 21h, mais quand tu rush. C'est un RPG. Si tu rush un RPG, si tu n'as pas compris comment on joue un RPG. Bien sûr, regarde. Hop. Toc. Et toc.
Imagine, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme style de jeu qui a une histoire très courte. Non, parce que Witcher 3 ça marche pas, même si tu fais que l'histoire principale elle est quand même longue. Oublie, c'est les connards. Je sais pas trop quoi trop dire d'autre, docteur, mais. Non, le jeu est pas beaucoup de choses, mais il est pas court. J'ai même pas où j'en suis dans le jeu en termes de. Sachant que je ne fais même pas toutes les activités annexes, tu vois. C'est même pas. Même l'histoire principale, tu vois, enfin c'est. Bref, je sais pas comment expliquer ça. Je comprends pas moi ceux qui. Bref. C'est un RPG quoi. Surmenage cinématique, c'est quoi ça? Ah ouais. Faudrait que elle, je l'aveugle. Et je le chope lui par derrière. Dès qu'elle est piratée, attention. Oh, elle m'a one shot! Elle était pas mal ma strat pourtant, mais elle m'a one shot là, madame. Très bien. Madame n'a pas le temps, j'ai compris. Ah, il était à la graffiti, j'ai failli le rater. Non? Si, bah si, pourtant. Ça, c'est 100% le graffiti, ça, c'est la nouvelle carte de tarot, je sais pas quoi là, non? Ah non, c'est celui-là. Non. Merde, putain. Mais est-ce que t'as déjà joué à un RPG, docteur? Pas un action RPG, un vrai RPG. Bonsoir, Anaï. Un RPG pur et dur. Est-ce que t'en as déjà fait un, docteur? Il y a toujours un truc. Parce que c'est un genre rare, les RPG. Il y a beaucoup d'action RPG. Non, mais les testeurs, il faudrait mieux fermer leur gueule. Les testeurs, en plus, avec leur version complètement éclatée. Et même toi, Witcher, c'est plus un action RPG qu'un RPG. Même si c'est tout Witcher, en fait. Il fait tout. Alors, attendez. Que je me rappelle comment ça marche, ça. Je crois qu'il faut juste que je rentre par le premier. Hein. C'est ça, c'est... Non, c'est pas là. What? Ah, j'ai pas le choix, attends. Non, c'est vrai que si je commence par ça, ensuite je peux... Ok. What? Ah non, merde. Attends, annule. Ah, se connecter, tiens, il fallait 5 d'Intel. Ah, j'ai bien fait. Alors, attends. Chaque fois que je me fais avoir. Non, putain. Comment j'avais fait la dernière fois déjà? Parce que pour essayer d'avoir les 3, hein, j'essaie le grid un peu. Hein. E9, ah, ça change à chaque fois, putain. Si je chope un 1C là. Ensuite j'aurai un 55 ou un E9. Mais non. Là j'ai un E9 et un 55. Yes, ok. Ah, il faut que dans la colonne je les ai aussi. Putain. Par exemple là si je chope un 9, un C55. What? Je comprends pas. Je dois pas comprendre. Putain. Oh, c'est dommage. Ils étaient dans la colonne les deux autres aussi. Combien j'en ai eu? 200$. Ah ouais, je peux pas rater ça. Faut que j'arrête de rater ça, putain. Ah, j'ai pas compris comment ça marchait. Non, non, non. Ça dépend ce que t'as bigzou, là. Ah ouais, mais j'ai pas lu... C'est pas grave, écoute. Porte ouverte. Yes. C'est pas grave. Je resserrerai une prochaine fois. Net. Message. Il y a quoi en message? Info. Quelqu'un sur GX, ancien studio. Soit on veut nous cerner un prix, soit on est sur le point de se faire cambrioler.
je te confirme. Agence 105, son fait qualité. Son premier roman, Requiem pour un samouraï, a été publié dans 70 langues simultanément et c'est bon. Beaucoup d'informations là-bas. Ok, la caméra, tu dégages. Il me faut vraiment beaucoup plus de mémoire là. En vrai, là, je fais largement assez de dégâts maintenant au CAC. Je vais vraiment me concentrer maintenant sur tout ce qui est piratage. Ça va pas être la folie, Big Bisou. Tu peux y jouer, mais ce serait dommage. T'as pas de console ? PS4 ? Il tourne magnifiquement sur PS4, Butcher. Si, mais pendant les ascensions, visiblement, easy. Visiblement. Faut demander au docteur. T'as monsieur. T'as le docteur là-bas. Il sera toujours ravi de parler de Dauntless. Sache que le docteur que Easy mate beaucoup tes vidéos. Dans ce cas-là, Big Bisou, attends. Est-ce que tu comptes te prendre une PS5 un jour? Ou une Xbox Series X, je m'en fous, hein, mais est-ce que tu penses prendre une console next-gen, genre l'année prochaine? T'en as peut-être pas les moyens, hein, c'est pure question. Hein, t'as pas la thune, hein, y a pas de... Aucun jugement ou autre ici, hein, c'est juste pour te répondre, quoi. Tu me vois à 8%? C'est marqué où? Ah non, je parle pour toi, d'accord. Où est-ce que tu vois les pourcentages? Ah, en haut, je sais pas ce que c'est ça. J'ai pas tout compris, je pense que c'est les différentes... Ça doit être les différentes 4, je sais pas trop. Avec plaisir, Charlie, pas là. Ah, ok, Big Bisou. La bonne nouvelle, t'as une version remaster de Witcher 3 qui sortira l'année prochaine sur console Next Gen et PC. Donc, parfait, tu vois. Sois patient. De toute façon, Witcher, dans 10 ans, il sera toujours aussi bien. Hein. T'inquiète pas. Il y a des jeux comme ça. Ça sera Day One en live, hein, je vous le dis tout de suite. Depuis le temps que je veux le faire en live, Witcher 3. Найду тебя, сука, и ноги повыдергаю. Тогда не убежишь. J'ai le plan. J'arrive dans une seconde. Essaye de rejoindre les niveaux inférieurs. Je fais ce que je peux, je dis. Non, on l'a pas encore, je suis un geek. On l'a pas encore. Enfin, je crois pas qu'on l'ait tout court en fait. Est-ce qu'il y a les caméras? Extincteur. Je comprends très très bien, Big Bisou. Mais c'est pour ça, t'inquiète pas, la PS5, t'auras absolument tous les jeux qui tourneront dessus en full qualité. Les nouvelles consoles sont excellentes. Elles valent largement leur prix, tu vois. Si t'arrives à toi, si dans 6 mois ou autre t'arrives à économiser 500 balles pour la prendre, putain, forcé, faut 9 de... Donc il y a plein de trucs quand même pour avec la constitution. Vous voyez chacune des stats. Là par exemple, je peux pas forcer. Ce qui est loin d'être un mal, attention. Hein.
d'une façon ou d'une autre. T'entends? Putain, ok. Quelqu'un en face. Putain, j'en ai du monde, hein. Putain. C'est pathétique. On va save un petit coup. C'est un remaster, docteur. Graphique, ray tracing, tout le bordel. Pas un remake, un remaster. Non, le jeu est encore assez joli. J'ai pas que ça à foutre. Montre-toi. Ça ira, je passe. Ah, moi je repartirai à zéro. Je pense que je le ferai sur PS5, en vrai. Pour les trophées, pour le plaisir. Pour me faire un petit kiff. Hein. Найду тебя, сука, и ноги повыдергаю. Тогда не убежишь. Coucou. On la rend aveugle. Full furtivité, les gars. Je kiffe ce jeu. On peut tellement tout faire. On peut tellement avoir l'approche qu'on veut. Allez, espèce de petite lopette, montre-toi. C'est pas très gentil, le mot lopette. Calme-toi, la caméra. C'est qu'une merde. Une merde. Yes. Je vais finir par te trouver. C'est rigolo le DLSS qui se désactive là, c'est un peu chiant. Parce que le framerate Résistance se fait éclater, mais. Et ça monte. Allez, espèce de petite lopette, montre-toi! C'est lequel qui parle là? Activé. C'est pas les calages, j'en ai tué aucun pour le coup. Je les ai tous endormis là. Si tu regardes bien, ils bougent tous. Regarde, j'ai tué personne. Je n'ai absolument tué personne pour le coup. Merde, merde. T'es qu'une merde! Une merde! Merde. Chut. Ils l'ont dit, hein, on peut faire une... Alors je fais pas hein, pour le coup, mais on peut faire une run 100% pacifiste. Allez, je crois pas. Petite lopette. Pas de ça quand même. Toi. Ah, c'est la fameuse porte où il fallait 9 de concide pour la forcer. Ok. Et on descend. J'ai trouvé un moyen de descendre, tu vois ma position? Ouais, je t'en rejoins. Wouh. Eh, so far, full fufu les gars. Full fufu. Non, pas long, attends-moi.